Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous n'êtes pas aussi enroués que moi en ce moment. Bon, je me soigne. Je voulais vous présenter des papiers de chez Paper for You, donc des nouvelles collections que je viens de recevoir. Je ne vais pas trop parler, mais je vais vous montrer celui-ci. C'est pour faire un album de mariage qu'on m'a commandé. Je pense que je vous ferai un tutoriel pour celui-ci, parce que je sais que vous allez me le demander. Donc on va découvrir ensemble les papiers. Je ne vais pas trop parler, mais je pense que la vidéo parlera d'elle-même. Donc ça s'appelle Boho Wedding Style. Donc c'est un mariage, on va dire bohème, toujours dans un esprit chavis. Alors il y a des motifs assez gros, mais pour ça je vais ajouter un papier de bloc de fond. C'est très joli, j'adore. Donc je vais faire un album assez grand avec des rabats afin d'utiliser tous les motifs principaux. C'est joli, vraiment, avec des coloris un petit peu soutenus, ça change. Des plumes, ça me fait penser un peu à l'album Indiana. Regardez comme les fonds sont jolis. Je pense que je vais partir sur une base de cardstock blanc. Alors, il y a combien de pages dans ce paquet? 12 pages. Donc, avec 24 motifs différents, on a des lettres de l'alphabet. Ici, on a un bel emplacement. Avec ça, donc moi je vais assortir un bloc de papier de fond. Il y a 16 pages. Alors il y a des couleurs qu'on retrouve dedans. On va regarder ensemble. J'ai pris ce papier de fond. Je n'utiliserai peut-être pas tout, mais ça ira avec d'autres modèles. Je vais vous montrer. Parce qu'il y a des couleurs très douces. Et ça va casser un peu les gros motifs pour alléger un petit peu, vous voyez, les teintes qui vont avec. Tout va avec et du coup, regardez, ce sera plus léger. Voilà, bon, je vous passe les pages. Vous avez tous ces motifs-là dans des teintes gris, taupe, rose, vert pâle, qui vont aussi avec des motifs bébés que je vous montrerai après. Donc pour aller avec ça, j'ai pris les die-cuts qui sont super jolis. Vous allez voir. Donc dans ce paquet, vous pouvez faire deux albums, hein, largement. Largement, largement, regardez tout ce qu'il y a. L'arche aussi pour les photos de mariage. Des cadres, regardez, c'est super.
C'est très tendance en fait. Beaucoup de gens font dans leur mariage des photos avec des arches comme ça. Donc vraiment, c'est top, ça fait un rappel. Il y a des figues. Il y en a tellement. Eh bien, je pense que avec tout ça, je vais pouvoir faire un bel album mariage. Très très beau. Ensemble, c'est magnifique. Voilà, je vous laisse pour cette collection avec cette vidéo. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous présenter ces deux collections bébés de la même marque à sortir aussi avec les papiers unis. À très bientôt.